Ça a payé ou pas le cours ? Non. Tu fais combien ? 12. Donc aujourd'hui, tu vas pas pêcher cours ? Ah bah non. Donc hier, tu pêchais ? Non, mais on sait jamais. Enfin, je pense que j'étais bien les deux premières heures où j'étais à peu près avec tout le monde. Puis après, quand le poisson il s'est barré, bah, j'ai mis... Puis il a eu du mal à rentrer, quoi. Il est rentré bien sur les autres dans la dernière heure, moi dans le dernier quart d'heure qu'il est rentré. Et toi alors ? Une tôle. C'est-à-dire ? 8. Oh. C'est ton montage, non ? Non. T'as pêché non. Déjà combien, toi ? Trop loin. Hein ? Trop loin. Bah, c'est-à-dire ? 50. 50-55. Ouais, vous êtes persuadé que vous allez vous faire une aile, peut-être ? Non ? Bah, tout le monde a été, hein. Bah, oui. Tout le monde a été, à côté de toi, je voyais, ça tirait loin, Eli, tout ça, ça tirait loin. Il était trop. Mais plus court. Court. Ouais. Beaucoup plus court. C'était entre 40 et 50, voilà. Ouais. Il y avait deux options. 40, 45, ouais. 50, voilà. Je regrette, ça, j'aurais été 35, je pense. Mais non, mais sur le coup... Après, ouais. C'est tellement facile. Et si hier, ça avait payé ce que tu fais ? Exactement, ouais. C'est sûr. T'as pris une option ? Comme il a pris une option de pêcher très loin. Alors aujourd'hui, tu repêches 55 mètres ? Un petit peu plus de 40. On verra demain. Bon, alors bonjour. Est-ce que tu aurais la gentillesse de te présenter ? Bah oui. Alors, je m'appelle Valentin Durançois, je suis à Tourate, dans le club de Tourate. C'est où ? C'est dans quel CD ? CD 60. Dans le CD 60 ? Ah, t'es quand même avec un certain Sobolowski, des gens comme ça ? Ouais, c'était... Oh, des gens qui savent pas pêcher, quoi. Et hier, ma place était le numéro 12. À peu près ici ? Oui. Et ma pêche, je l'ai faite à 40 mètres, 45 mètres. Ouais. Le feeder qui a pêché, le poids Moyenne, c'est 50 grammes. T'as aussi entre le plus petit, c'est combien ? 40. Entre 40 et 60 maximum. T'as pêché entre 40 et 60 grammes en feeder. Mmh. Des grosses cages ou des petites cages ? Plutôt les cages qui marchaient, c'était plutôt les petites. Les petites. Bon, après, t'as fait combien ? C'est là où on est tous contents pour toi. 1840. Et t'as fait combien de brèmes parce que vous les comptiez ? J'en ai fait 21. T'en as fait 21. Qu'est-ce qui a marqué les lèches qui a marché ? Bah, fallait souvent alterner. C'est-à-dire ? Parce que bah, souvent, vaseux, un gozer blanc, un terreau, parce que les touches étaient. Ce que je t'ai vu faire beaucoup, ce que tout le monde a vu, c'est que tu as fait pas mal de tirettes aussi pour déclencher ouais, les touches. C'est ça. C'était les tirettes qu'on. Ouais, comme ça la cage a bougé un peu. Il fallait que lèche se mette à bouger d'un seul coup. Donc les poissons sont là, mais ils sont pas mordeurs pour l'instant. Ouais, voilà. Bon, bah encore merci de t'être prêté au jeu, puis tout le monde te dit merci, puis ben, continue maintenant. Je comprends. Ah bah oui, 16 ans. Ça vous fait quoi, les gars, de vous prendre une grosse branlée par un môme ? Bah écoute, on... Je m'en fous, je suis son père, j'ai l'habitude. Ouais, c'est vrai. j'ai l'habitude aussi. Hein. Pourquoi tu l'amènes ? Non, il a commencé très jeune, hein. C'est pour ça qu'il... Ouais. Allez, vas-y, c'est grâce à toi qu'il est bon alors. Non, mais à 6 ans, elle a commencé le feeder. À 6 ans, elle a commencé le feeder. 16 ans, chat. Et à 9 ans, il battait son père. Et toi, il t'a battu dès le début ?
Ah bah au feeder, ouais, direct. Il a explosé. Ouais, en même temps. Alors c'est-à-dire qu'avec son père, il apprend, et avec toi, il ferait comme avec moi, il apprend tout ce qu'il ne faut pas faire. Il est à l'entraînement avec moi, il s'entraîne là-bas, il s'entraîne justement, voilà, exactement, à faire ce qu'il... Quand il te voit faire un truc, tu fais le contraire. C'est ça. Tu pourrais peut-être t'entraîner avec moi, je peux faire pareil. Ça, je suis aussi bon. Nous, on serait bien tous les deux, on s'entendrait bien. Oh, on serait une américaine de tueur. Putain. ça fait un clac cassé. Tu sais que je suis connu pour attraper les signes, moi, au feeder. Ouais, tu me l'as dit hier, mais pareil, tu les tapes. Ah, moi. C'est le tirage, il est donc inversé. Quoi, Gigi? Y. C'est une place de capot, c'est ça? Ouais. Bonjour, vous auriez la gentillesse de vous présenter? Bien sûr, Jean-Philippe Daubourg, CD71, Guignon Pêche. Voilà, hier j'ai fait un 17. Vous aviez quelle place? J'avais le Z9. Bon, ben, bonne chance. Merci. Bonjour Dominique, t'aurais la gentillesse de te présenter? Je m'appelle Dominique Dubois, je suis du CD78. Donc, je suis au Team Melan Rameau Garbeau. Et qu'est-ce que tu as fait hier? Hier, j'ai fait une place de 8. Et quel numéro? J'étais au 5 dans le secteur du bas, le secteur Z. Z5, c'est ça? Z5, et j'ai fait à peu près 7400 et quelque chose. Oui, donc Elie Monatlik, CD42. Hier au secteur X, à la place 11, je fais 1 avec un poids de 13 kg 190. Merci beaucoup. Hervé Noiret, Gigi, hein. Voilà. Pêche 78, c'est des 78. Et t'as fait quoi hier? Hier, j'ai fait 11 points avec 1 kg. Et t'étais à quelle place? J'étais au X6. Oui, Michel Verdier, CD87, la Blette Palaisienne. Hier, j'ai fait 10e, au numéro 10, avec 6740. Au 10 de quelle lettre? Du lettre Z. Oui, bonjour, je m'appelle Félix Laurent, je fais partie du club du pêcheur de la cité. On fait partie du département du Rhône, on vient du 69. Et quelle était votre place hier? Hier, je tombais à l'X12, c'était pas une très très bonne place. Ça a été très dur, on arrivait à faire 3110. Et avec ça, vous prenez combien de points? On prend 10 points. Donc. Jean-Marc Lebuc, du CD53, en Mayenne. Mayenne. Oh, j'en viens, il n'y a pas longtemps, ah oui, j'y étais. Ah, ça fera beau. Ouais, je vous ai vu, ouais. Donc, à la première. Oui. Et donc, hier, j'ai fait 5 du secteur, avec 11 740, je crois. À quelle place? Au Z1, avec une aile. C'est bien. Bonjour, Sébastien Eco, je fais partie du CD86. Alors hier, vous étiez où? Hier, j'étais dans le secteur X, celui du milieu, place numéro 3. Mais je termine 9e avec 4500 points. Merci. Bonjour, je m'appelle Philippe Billot, je suis du CD44. Hier, j'ai fait 12 sur 12 au Z7 avec un poids de 1810 avec 6 grémilles, 3 gardons, 2 hybrides. Et une plaquette, et une perche, a oublié la belle perche. Donc voilà. Je me présente, monsieur Maurice Thierry. Je fais partie du team Sensas 28, la Nogentaise. Je fais partie du département 28, Nogent-le-Rotrou. Et vous avez fait quoi hier? Hier, j'ai fini deuxième de mon secteur. Sur quel? Avec 16 650. Et sur quelle lettre? Au Z2. J'avais le Z2, pardon. Au Z2. Yann Charrier, CD44, team Gardon Genestonnet. Donc hier, j'ai pêché au Y8. X8. X8, et vous avez 1000 points. Donc 12 sur 12. Bon, on en a parlé tout à l'heure, on y reviendra. Je referai voir ce que vous avez dit sur votre place. Puis bon, ben, maintenant, aujourd'hui, on fait pas la même. Hein. Ah ben, pas du tout. Les erreurs d'hier sont parfaites. Moi, c'est Herman Jean-Yves. Je suis du CD23, La Creuse, Limousin. La région Limousin, et voilà. Vous étiez où hier et la place que vous avez faite? J'étais au X4 et je fais 4e avec 8880.
Marie-Thierry, du CD16. Donc, place de 6e du secteur hier avec 10 040 points. Voilà. Vous étiez sur quelle lettre et quelle place? Z4, en bas, là-bas, dans les grands fonds. Éric Duverneuil, du CD87. Hier, j'étais au X8 et j'ai pris 11 points avec une pêche de 6500 points. Vous avez au moins fait 6000. Associé Frédéric, du CD21. Et hier, vous étiez où et... Au Y2. Et vous avez fait 17 620 et je fais 2 avec ça. Ah bah, tout va bien alors. Pas mal, je suis pas bien. Vous n'êtes pas assez souriant pour 17 000, je trouve. Alors, je suis butin Franck. Je pêche actuellement au Team Pêche Veden, 84. Et bon, hier, j'ai eu le Y7 et je fais 7. Là, on va voir. Alors, aujourd'hui, tu es au 9. Au 9. J'espère que tu ne vas pas faire pareil. J'espère que je ne vais pas faire 9. On verra. Tu as un as demain? Demain, j'ai un as. Mais ah, bah alors, demain, il faut faire un. Ouais, mais pas un bon. Pas un bon. Jacques Grandjean du CD87. Hier, j'ai tiré le secteur Z, la place numéro 3. Et vous avez fait? J'ai fait 9 points. Alors, Christophe Durançois du CD60. Hier, j'avais le Y-As. Je fais la 5e place. Avec combien en poids? 6400. Merci beaucoup. Sylvain Coès, le CD60. Hier, j'ai pêché le Z12. Le troisième avec 14 960. Merci. Christophe Sobolewski, 10 Sogo, 37 ans. Bon, bah écoute, puisque j'ai la chance de t'avoir sur le championnat, je vais te demander ton analyse de la première manche. Pas de soucis, bah écoute, relativement dur sur les deux premières heures, avec des poissons qui bougeaient pas beaucoup, qui étaient cantonnés sur quelques places, surtout les pêcheurs qui ont pêché au-delà. Voilà, ils ont réussi à prendre les premiers poissons. Après, ça s'est un petit peu étalé. Et bah, nous concernant, ouais, c'était très dur pendant 2 heures et on a modifié un petit peu les cages, pêché un peu plus léger. Mais tu m'as quand même annoncé quand j'étais avec vous, tu l'as envoyé à 50 mètres. Ouais, on est revenu vite. Et vous êtes revenu voilà, quand même à 40. Parce qu'il n'y a pas eu de touche à 50 mètres, donc plutôt que de rien faire, de refaire un deuxième tas qui aurait risqué de casser le premier, on a préféré revenir sur le coup de départ et puis ça a été la bonne option en changeant la cage. En grattant un petit peu, on a réussi à aller prendre les poissons qui étaient en aval. Et la cage qui payait là-haut, c'était quoi? C'était entre 15 et 20 grammes. Ah voilà. Oui, alors là, ça, on va le garder. On va pas pêcher comme les autres. Merci. On ne pêchera pas comme les autres aujourd'hui. Non. Merci. Voilà, mon petit Jean-Mi. Ensuite, bah... T'as d'autres choses? La dernière heure et demie. On a remis 2-3 cages un petit peu plus grosses pour faire un appel parce que les poissons étaient juste sous la place au 11. Et ça nous a permis de refaire monter les poissons rapidement et puis à Sylvain de faire une dernière heure terrible. Quoi, avec ça tournait à environ 2-3 brèmes toutes les 10 minutes. Donc c'était, Alors si tu as la bonne analyse aujourd'hui, ça pourrait repayer cette tactique. Bah oui et non, parce que comme c'est une rivière, on ne sait pas où les poissons vont se trouver au départ. Donc si tu es dans la zone où ils sont, ça va aller. Par contre, s'ils se trouvent sur les extrémités, ça va faire comme hier. Il va falloir attendre que ça s'installe. Et quand ils seront là, il faut reprendre, prendre. Rater le moins possible. Pas rater les touches surtout. Tellement facile de dire rater le moins possible. Bah ouais, mais bon, il y a des fois où il faut être patient et puis pas faire les touches trop rapidement. Merci. Je m'appelle Bourgeois Gérard, je fais partie du CD60. Là, je participe à ma 4e première division nationale. Et puis voilà, donc hier j'étais au secteur amont au Y10. J'ai fait 8 du secteur avec 3320 points. Une place qui accrochait beaucoup, donc il a fallu que j'allonge à 55 mètres pour pouvoir pêcher. Et puis voilà, quoi. Et pas de poisson. Bonjour, donc je suis Rochette Jérôme. Donc je fais partie du CD28. Donc c'est le club Team Sensas la Nogentaise, donc là on le retrouve. Et je voudrais savoir ce que vous avez fait hier. Alors hier, j'ai fait 4 sur 12 donc, au secteur, donc avec un poids de 12 540. Oui. Olivier Martignon, du CD57, du club de Montigny-lès-Metz. Voilà, je suis ici pour ma première participation. Et vous avez fait quoi hier Hier, alors j'ai fait 3 sur le parcours Y, place numéro 5. Avec 8400 points, à peu près, hein, 8400. Oui. Merci beaucoup. Je suis parti du CD95.
Et vous étiez où hier? Hier, j'étais au Y7. Et alors? Et alors, très mauvaise place. J'étais à 10e sur 2. Et combien en poids? 610 grammes. Oui, alors Loïc Lenaer, je viens du CD60. Alors hier, première manche, je fais 12 au Y4. Avec un poids de... Touche beaucoup d'accro au départ, rallongé, mais pas trouvé le poisson. Et la pêche, quelle distance? J'ai commencé à 40, puis j'ai fini à 50. Ben, là, je viens de passer, je le garderai pour moi. Et c'est Gigi qui est sur cette place-là. Ouais. Il accrochait déjà. Ouais. Donc... La place, c'est... Même mon voisin m'avait prévenu, il s'était envoyé, il s'était entraîné à la place où il est tombé le jour du championnat. Il m'a dit beaucoup d'accro. Damien Frère, du CSD 21, 31 ans. Donc voilà. Non, c'est bien, hier, t'es le premier à donner ton âge. Oui. C'est bien. Hier, j'étais au Y8. J'ai 3 poissons pour 360 grammes. Vraiment une place très difficile. Il y avait 2-3 places, donc Y7, 8, 9, très difficile. Et je prends 11 points, sur 12. Et t'as pêché à combien de mètres? J'ai dû te le demander hier. J'ai 41 mètres. Et t'es ressorti après ou pas? Déclippé, je suis reparti à 55 mètres. Bonjour. Kiari Michael, 42 ans, habitant à Lyon. Team Milo 38. C'est... 38, 38. Il n'y a pas un certain Gérard Trinquier? Si, si. Ah, un petit pêcheur? Ouais. Moi, d'accord. Un petit pêcheur, pas très grand. Mon petit, oui. Mon capitaine d'équipe. Et où vous étiez hier et la place que vous avez faite? Le X2. Et vous avez fait? Deuxième avec 11 000 points. C'est bien. Oui. Il y a un certain monsieur... Fred Chauveau. Il est derrière vous. Oui, tout à fait. Et vous arrivez à faire des résultats. Ouais. Vous êtes très fort, monsieur. Je n'ai pas la chance de vous connaître, mais vous êtes très fort. Merci. Bonjour. Alors, Damien Tomiki, CD60. Hier, 6e avec 7000 points au numéro X1. Merci beaucoup. Bertrand Rouillet, CD35. Et hier, vous étiez où? Secteur du milieu, je pêchais au X7 et je fais 7e. Avec? Avec 5300. Merci beaucoup. C'était pas terrible. Ah. Ah. Ça aurait pu être beaucoup mieux. Voilà. Vous avez analysé. Bonjour, vous auriez la gentillesse de vous présenter? Oui, donc bonjour, je m'appelle Darson Franck, donc du CD03. Donc l'allié, en plein un aliéné, un vrai aliéné. Et donc hier, je me suis trouvé donc un secteur en amont, donc le secteur Y, donc la place Y3, avec un poids de 5,540 kg et donc avec 6 points. Merci donc, beaucoup. On va essayer de performer aujourd'hui. Ouais. Est-ce que vous avez vu des erreurs que vous avez faites ouais. Hier des erreurs, ouais. Ouais. Et après, essayer de ne pas reproduire aujourd'hui. Quoi. C'est tellement simple à dire. Voilà. Essayez. Présent, je m'appelle Valentin Durançois. Je pêche dans le CD60, dans le club de Tourotte. Hier, j'étais au numéro 12, secteur Y. J'ai fait 22 800. Merci. Et alors, il y a une chose que j'ai oublié de te poser tout à l'heure. T'as quel âge? J'ai 16 ans. C'est magnifique. Alors bonjour, je m'appelle Maxime Navarre. Je fais partie du team Daiwa 27. Alors hier, j'ai pêché ici. J'ai fini 8e. Au numéro... Quelle lettre t'avais? J'avais le Z. Le Z10. Z combien alors? Z10. Z10, et t'as fini? J'ai fini 8e. Avec combien? Pêche difficile. J'ai fait 5 brèmes, 2 gardons, une petite green pour 4,9 kg. Voilà. Merci. Bonjour. Bonjour, je m'appelle Antoine Rivière. L'année prochaine, je vais faire partie de la team Daiwa. Mais tu vas faire partie d'un team Daiwa, mais oui. Dans les seniors? Dans les minimes. Dans les minimes? Et tu vas pêcher au feeder ou à la canne? Au lancer. Au lancer. Donc il va faire au feeder? La canne au cou. Canne au cou. Et qu'est-ce que tu nous fais? Tu vas éclater tout le monde? Oui. Tu leur annonces d'entrée que tu arrives et qu'ils peuvent trembler? C'est oui, bon? Bonjour, Benoît Pedretta du team Fichtik dans le Vaucluse 84. Voilà, hier je suis tombé dans les places du secteur amont au 6, plein milieu. Ça a été les places, je pense, les plus difficiles du parcours où je fais 2 brèmes, j'en perds une troisième, avec 2040 grammes, 9 sur 12. Voilà. Merci beaucoup. Je vois un reste, c'est que le bac a l'air d'être noir.
Le bac est foncé. Hier, vous aviez fait pareil ? Hier, j'ai fait un peu plus clair et je me suis aperçu que c'était peut-être pas terrible. Et dans le doute. Et vous avez pêché, vous êtes obligé de pêcher loin, vous ? Vous avez pêché à combien de mètres ? Je suis à 45 mètres. 45 mètres. C'est la distance. De toute façon, je suis venu vous le demander hier, je me semble. C'est ça. Merci beaucoup. Monsieur Germano Christophe, du CD 87. Hier, c'était ta place. Hier, j'étais le secteur milieu, à la place 9. Et t'as fait ? J'ai fait 5. Avec combien en poids ? Avec 7980 ou 7000... Je sais pas quoi. Viens, remonte un peu. Bah, j'espère parce que je t'en ai eu. C'est la tendue. C'est tendu entre vous alors. Non, pas du tout. Si, fou. Il y a 8 mètres.